여러분. David Gunn 7, Mathieu Brûlé pour la troisième place, et nous avons et tu prends la deuxième place, c'est bien, trail ou route, le choix est fait, c'est trail je crois, David. Voilà, l'arrivée du septième, et c'est bien pour applaudir. Ça tuque avec l'arrivée de Jérôme Martin, 34-22, donc très certainement un peu déçu. Le Stade Rennais Athletic avec Lionel Maubert qui franchit une arrivée également. C'est bien Bastien Rouzoul, lui aussi vient de boucler son parcours. Malik Boisiz qui vient de terminer le Narbonnais. Possible sur le passage du semi et qu'on attend bien sûr passer la ligne d'arrivée. Il est 14e Oscar, le 15e est là. Ah, des performances intéressantes, c'est Laurent Morel qui prend la 15e place, la 16e maintenant pour Clément Sel dans le temps de 36-47. Frédéric Laforgue, Christophe Montré, Alexandre Gouy viennent de passer la ligne, Alexandre Gouy d'abord, Christophe Laforgue, Régis Bertrand et Landry Cabane de la CC Ramonville. Anthony Sten de Colomiers, lui aussi a terminé en 36-13. Jérôme Héral, David Nunez, ce sont les concurrents qui viennent de passer la ligne. Allez, les 15 premiers classements officieux, bien sûr. Victoire de Nicolas Fernandez devant David Goss, Mathieu Brûlé, 3e Sylvain Gobin, 4e Nathanaël Borde, 5, 6 Thierry Teddy Fuald, 7 Sébastien Gamel, 8 Maxime Privilski, 9 Jérôme Martin, 10 Lionel Maubert, 11 Bastien Rouzoul, 12 Malik Boisiz, 13 Mohamed El Boukhari, 14 Oscar Deboise, 15 Laurent Morel, ce sont les 15 premiers. Ah, il a été trouvé une carte d'identité au nom de Laurent Tricouard. Laurent Tricouard peut aller récupérer sa carte d'identité. Où tu es? Sur le podium? Ici, sur la ligne d'arrivée. Allez. Alors que bien sûr... Et voilà, c'est Sophie. Sophie Mazin qui va passer à une arrivée. Je vous demande de l'applaudir très très fort. La victoire pour la ruthénoise Sophie Mazin dans un temps excellent de 37 minutes et quelques secondes. On va essayer d'avoir les impressions de Sophie qui paraît tout à fait bien, tout à fait calme, Sophie. Saison de cross après l'enchaîne. Oui, voilà, je suis un peu à repos, j'ai fait champion du monde des terrains cet été. Je suis 3e, et là je reprends très bien. Sophie Mazin, 37 minutes et quelques secondes. Alors que Mylène Bacon vient de passer à une arrivée également. Ça va Mylène? Un peu fatiguée? Ça va. Et la 3e également, après Mylène Bacon. Ah non, la seconde plutôt, c'est Cécile Kempf. La 3e Mylène Bacon, nous avons notre podium. On a le podium féminin également, dont je rappelle la victoire de la ruthénoise, elle est de Rodez, Sophie Mazin. Deuxième, Cécile Kempf. Troisième, Mylène Bacon. Applaudissements.
Allez, l'arrivée de la quatrième féminine, Mélanie Dupassieux, Guillaume Taburet, Ludovic Poilevillain, Serge Planton, l'indestructible Serge Planton, sur la ligne d'arrivée. Allez, toujours des arrivées, toujours des applaudissements, bien sûr. Ils le méritent tous parce que c'est vrai qu'ils commencent à faire chaud. Allez. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas entendu tout à l'heure, Christophe Ortiz a passé à la ligne d'arrivée. Je rappelle que mardi soir, sur le site de la course, vous aurez la possibilité de voir votre arrivée qui a été filmée. Donc toutes les arrivées sont filmées à partir de mardi soir ou mercredi matin, enfin vous verrez bien. Secondes de vidéo pour chacun des finishers, chacun des arrivants. C'est un cadeau offert par l'organisation et les partenaires qu'il faut encore une fois remercier. C'est une première. C'est vrai que c'est la première fois que je vois ça. Yann Clazen, Michael Guesmery, Frédéric Bergès. Lui aussi atteint la ligne d'arrivée. Ah, ça c'est un maillot qu'on connaît. Hein. C'est le maillot de Lille Jourdain. Et la cinquième sur la ligne d'arrivée. C'est Nora Bouillet qui prend la cinquième place. De Poussade. Ça va Nora? Elle est fatiguée, Laura, il faut qu'elle récupère un petit peu. Comment ça va? C'est passé comment? Yo! Je suis en prépa. Je veux le front de trail dimanche prochain, le 60 bornes. J'étais venue faire juste les jambes, quoi. Mais c'est dur. C'est les France, ça c'est un peu plat, bon, pas les France de trail. Cossonne y participe, ouais! Voilà, l'arrivée de la septième. Si nos comptes sont bons, la sixième, c'est Marion Van de Steen. 41-40, bien sûr, toutes ces filles sont qualifiées pour les France. Chut, 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 ne nous énervons pas, restons calmes. Salut! Patrick Fréchoux, Ouria sera dans le semi. Voilà, on va au passage, on va faire le point sur le semi. Et on vous tient au courant, bien sûr, le maillot de Blagnac, le Blagnac Sporting Club. Marie-Laure, Anne-Laure Breton. Voilà, alors du côté des féminines, la victoire est revenue à la demoiselle de Rodez, Sophie Mazingue. Le temps, on l'a pas. La deuxième, c'est Cécile Kempf. La troisième, Mylène Bacon. La troisième, Mélanie Dupassieux. La cinquième, je dis bêtise, Nora Bouillet. Puis Marion Van de Steen. Voilà, je rappelle bien sûr la présence des partenaires avec, bien sûr, le nouveau partenaire Iron.fr, spécialiste sur Internet du running, du trail, du fitness, etc. Et puis, bien sûr, la présence de la ville de Toulouse, d'Auchan également. Ça va ? Ouais. Aujourd'hui, je me cache. Oui, Nicolas Fernandez qui a remporté la victoire. C'était ça, si j'ai fait de bons comptes, j'espère qu'ils sont bons. C'était ça. 1, 2, 3, 4, 5e victoire à Toulouse. Sur le 10 ou le semi. Aujourd'hui, c'était sur le 10. 5 victoires.
Ouria tout à l'heure en est à 8 victoires, peut-être la 9e tout à l'heure, ou 10 peut-être. La première pour Ouria Fréchou, c'était en 98, rendez-vous compte, elle est toujours là, son meilleur niveau. Oh que c'est dur! Ah, les bénévoles avaient les raquettes, on prépare Roland Garros l'an prochain. Chronométrage assuré par Sport Info, et c'est justement Sport Info qui filme votre arrivée. 30 secondes de film qui vous seront présentées sur le site de la course mardi soir ou mercredi matin. Vous aurez votre arrivée filmée. C'est gratuit, bien sûr. Regardez ce sprint. Regardez ce sprint. Remportée par Sabrina. Sabrina Gasque. Allez, Adelaide 632, c'est le club de Tourlefeuille qui organise traditionnellement début octobre son semi-marathon et 10 km également. Sandra Morel. Et de très nombreuses féminines maintenant sur la ligne d'arrivée. Avec un temps qui s'affiche de 45 minutes et quelques secondes, dont beaucoup sont encore une fois qualifiés pour les France de la spécialité qui auront lieu en 2016, bien sûr. Allez, Lavore, les tarnés sont présents. Alors bien sûr, on est allé faire le point sur le passage du semi dès qu'on a les infos. On vous les donne dans la foulée. Montauban Athlétisme qui organise entre autres le marathon de Montauban qui avait lieu cette année début avril. Là on passait la ligne bras dessus, bras dessous. Christian Chesa, Maxime Métayer, Gérard Oliva, Pascal Chelal, tiens, je parlais de Montauban, voilà Pascal Chelal, Montalbanais. On a du mal à suivre. Christophe Seguiou, tiens, bravo Christophe, super. Christophe, je vois ton nom affiché. 46-31, Christophe, 46-30 même. C'est bien, 46-30, c'est un temps de bonne valeur. Voilà, Oka One One, partenaire également de cette épreuve. Hervé Korn, Vincent Doudy, Guillaume Noyer, ce sont ceux qui viennent de passer à une arrivée à l'instant. 236e. Et Sam Dimassi, Alexandre Huet, Thierry Safon. 47-21, Jean-Luc Duménil, 47-21. Et toujours ce peloton très important, vous étiez 1500 au départ de cette épreuve, donc on n'a pas fini de voir passer les finishers, Morgan Brendel, Serge Ballester, Damien Louvergne, Noël Golfier, Patrick Gréborio, Fabrice Crépour. 47-49 pour Maxime Pourchès qui vient de passer à les 47-56. Allez, on consulte le chrono. Christophe Leblé vient de passer la ligne en 48-04. Allez, les photographes sont là et bien sûr la fameuse caméra. Je rappelle que vous aurez votre vidéo. Il a été perdu une carte bleue. Donc si une personne a trouvé une carte bleue, merci de nous faire signe ici sur la ligne d'arrivée. On a trouvé une carte d'identité, mais... Où est-ce qu'il y a une carte? Ah,
ah, ah, monsieur le président à la carte bleue. Président Régis Cross. Comment il s'appelle? Et tu peux remercier le président. Ça y est, tu peux lever la boule. Il a retrouvé sa carte bleue, c'est super. Allez, les arrivées qui continuent. Le maillot du Satuc, le maillot de Blagnac, le maillot de Benoît, tous les maillots. Des quoi ? Et le maillot de l'épreuve, bien sûr. Rappelons que c'est la 35e édition du semi-marathon et 10 km de Toulouse, organisé par le TOAC. Athlétisme, bien sûr. Simon Berthet, Fanny Salas, Martin de Dieguez-Lodero, Sébastien Laurent, Serge Bernard, ils sont tous sur une dérivée à moins de 50. Attention, on approche des 50 minutes. 55, 56, 57, 58, 59, 50 minutes de seconde. Et on a même de la musique. À notre DJ, Philippe et Cédric. Quel monde! Et ensuite, on va faire le point, bien sûr, sur le semi-marathon. Dès qu'on a ces infos sur le passage du semi, on les répercute ici sur les dérivés. Allez, même dans la meule. Hein. Oh ben, 2714-2715, c'est la même famille. C'est la famille Rocoul, Jean-Marc et Christine Rocoul. Bravo tous les deux. 50-51. Laurent Campos, Delphine Fayol, Catherine. Oh là, elle est mal à suivre. Ça va tellement vite. Anthony Mogart, Jean-Pierre Adaski. Attention, vous avez tombé de ça. Chloé Billet, Pascal Chaumette. Mais également l'arrivée d'Ariane Panetier, Mathias Nogueira qui sont également sur la ligne d'arrivée, ainsi que Merlène Barbaro et Mathieu Versini, Clément Sim, Jean-Marc Homé, Emmanuel Barsac. 51-41. Allez, Michael. Rappelons la belle victoire de Nicolas Fernandez devant David Goss, le troisième est Mathieu Brûlé, le quatrième Sylvain Gobin, le cinquième Nathanaël Borde, le sixième Teddy Fualde, le septième Sébastien Gamel, huitième Maxime Privilski, neuvième Jérôme Martin, dixième Lionel Maubert, onzième Bastien Rouzoul, douzième Malik Boisiz, treizième Mohamed El Boukhari, quatorzième Oscar Deboise, Laurent Morel et 15e. Ah ben ouais, on rêve là. Si on... Du côté des féminines, la victoire revient à demoiselle de Rodez, Sophie Mazin, hein, devant Cécile Kempf, Mylène Bacon et 3e Mélanie Dupassieux et 4e Nora Bouillet, 5e et Marion Van Destin et 6e. 53 minutes et 4 secondes. Odenono, Frédéric Picard, Loïc Vedovato, 53-14. Je rappelle que ces classements, ce chronométrage, cet écran et cette caméra, nous le devons à Sport Info, qui vous propose, qui vous invite mardi soir ou mercredi matin à voir le film de votre arrivée, la vidéo de votre arrivée sur 30 secondes, ça vaut le coup. Vous verrez franchir la ligne d'arrivée et c'est une option offerte par l'organisation du TOAC Athlétisme.
et des partenaires. Oh là là, quel sprint! Regardez ça! Quel sprint! Allez, okawanwaneria.fr, tous partenaires de l'épreuve, à la mairie de Toulouse également. Et puis bien sûr, vous n'avez pas oublié que le marathon de Toulouse aura lieu fin octobre, le dernier dimanche. Je ne sais plus quel jour c'est, le 27, hein, 27 octobre. Aura lieu le marathon de Toulouse, place du Capitole. Nous y serons, vous y serez certainement, j'en suis certain. Là, c'est la 35e édition du kilomètre semi-marathon de Toulouse organisé par le TOAC Athlétisme. Mais bien sûr, le marathon du vignoble à Aigli Fenouillède, c'est en pays catalan, ça. Le 31 octobre et le 1er novembre 2015, est limité à 500 coureurs, donc dépêchez-vous de vous inscrire. Le marathon du vignoble à Aigli Fenouillède, 31 octobre et 1er novembre 2015. Je le garde. Le semi-marathon de Toulouse parraine cette épreuve organisée dans le Fenouillède, dans les Fenouillèdes. Merci. Tout près de, pas loin de Perpignan et de Rivesaltes. Saint-Paul de Fenouillé, Maury, que je connais bien, puisqu'il y a quelques années, j'ai animé les courses de Maury. Merci. Hein. Merci Alex. Allez tous aussi en musique, c'est la fête aujourd'hui! Allez, on se tire par la main. On va essayer de voir où on en est au niveau du chrono. Allez, oui, c'est l'arrivée. On approche de l'heure de course, ça fait plus de 10 à l'heure, c'est formidable. Bravo. 5-4-7-36 pour notre vétéran. Olé. Olé. Vous pouvez crier. On se croirait un pays catalan, là, dans les Fenouillèdes. Le premier va arriver, toi, mais un marathon.
31 octobre, 1er novembre, on a bien noté, marathon gastronomique à la découverte des vins du Fenouillède, seul ou en relais, parrainé par le Seuil Marathon de Toulouse. Laurence avec Sport Info et Cédric qui chronomètre l'épreuve 59-30. Attention, tous ceux qui m'entendent et qui ne sont pas très loin de l'arrivée, vous pouvez rentrer sous l'heure, dire j'ai fait 10 km à l'heure au 10 km de Toulouse. 59, 42, 43, 44, 45, 5 secondes et vous restez 4, 3, 2, non, pas 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, dommage, mais c'est pas mal quand même. Vous avez couru à 10 à l'heure. Allez, on va arrondir. 1h, 0 minute, 7 secondes. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Alors, bien sûr, dès qu'on a des infos sur le semi, on vous les donne, elles ne devraient pas tarder à arriver. Soit la course en tête. Nicolas Fernandez, lui, a gagné le 10, dont il n'est plus sur le semi, vu qu'il a gagné à 4 reprises. Par contre, chez les féminines, il y a Auria Fréchou, ça c'est sûr. Et je rappelle que cette course est organisée par le TOAC Athlétisme avec la mairie de Toulouse, Okawanwan et IRM.fr au champ Toulouse. Encore une fois, ça c'est une nouveauté dans les courses. C'est vrai que j'anime beaucoup de courses et jamais j'avais vu ça. On vous offre, les partenaires et organisateurs vous offrent la vidéo de votre arrivée dès mardi soir sur le site internet de la course. 30 secondes de votre arrivée. Tiens, mesdemoiselles pourront aller sur le site. Elles auront leur arrivée. Souriez, c'est mieux. Allez. C'est à la rage dans le dernier tour là. Thank you.
Ça continue bien sûr, les arrivées se succèdent. C'est pas grave. Alors, du côté du semi maintenant, c'est Jean-Claude qui est en tête. Bien sûr, pas de surprise. Notre ami Burundais, Jean-Claude Niozigier. Deuxième, David Guilcher. Troisième, Yannick Kerloc. Tiens, Mathieu Dorgan.